Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons regarder de plus près l'aspirateur robot Yidi. Alors, on va commencer par le contenu de la boîte. On trouve des documents tels que le manuel, une station de charge, un câble d'alimentation, une brosse pivotante, une tête avec accessoires de serpillière, sans oublier la petite brosse de nettoyage. Quand on regarde les lignes et la couleur blanche, on trouve que cela donne un look moderne. Je vois beaucoup de robots balais rangs avec des systèmes familiers, la structure apparaît ici, mais la partie supérieure a une conception différente qui embarque même une sorte de caméra. La première chose que je mentionnerai est le matériel. Je parle de la qualité de l'aspirateur, à la fois sa structure générale ainsi que les pièces mobiles. Sous le capot, on trouve le bouton d'alimentation ainsi que le bouton Wi-Fi. Il dispose aussi d'un bac à poussière d'une capacité suffisante pour plusieurs utilisations, avec un système de filtration et un mécanisme utilisé et assez robuste. Avec le profil de cet aspirateur, vous vous sentez cartographié. Au-dessus, on trouve une brosse rotative qui fournit une bonne prise de poussière, la roue qui permet une facilité de la navigation et qui est capable d'agir de façon indépendante. On trouve aussi les roues latérales et un réservoir d'eau et une serpillière qui se fixe sur l'appareil. Il dispose d'une technologie de détection pour laver et dépoussiérer en même temps, tout ce qui peut s'accumuler sur le tapis ou sur le sol. L'aspirateur peut augmenter la puissance d'aspiration. Autre détail technique, si vous le souhaitez, après avoir installé l'aspirateur, vous pouvez télécharger depuis votre smartphone l'application Yidi afin d'ajouter un équipement. Après la connexion, vous êtes accueilli avec le menu. Comme vous pouvez le voir, il reste simple. Il suffit d'ajouter l'appareil avec prise en charge d'interface. Vous pouvez choisir le modèle que vous avez obtenu ou sur le dessus du balai le code QR. Vous installez l'adaptateur de charge en le branchant sur la prise murale. Après avoir allumé votre aspirateur, il suffit de continuer en suivant les étapes. Bien sûr, il est nécessaire d'être connecté en Wi-Fi. Après cela, c'est le moment de coupler l'application avec le code QR qui se trouve sur votre écran avec la caméra de l'aspirateur. Maintenant, l'aspirateur est presque prêt à l'emploi. Comme pour tous les modèles d'aspirateur, la première chose à faire est la cartographie de l'environnement afin d'avoir toutes les chambres de la maison avec des va-et-vient. Vous avez bien sûr la possibilité de limiter les zones que vous ne voulez pas et de marquer les zones de nettoyage à partir de la carte avec les options de nettoyage pour les zones afin de faire le balai ou la serpillière. Lorsque l'aspirateur est en mode nettoyage normal et que quelque chose se renverse sur le sol, lors de l'utilisation uniquement avec option de nettoyage spécial, vous pouvez balayer la zone directement. De plus, grâce à sa structure, elle peut aller sous les obstacles. Cela vous permet d'accéder même dans des endroits difficiles d'accès et permet de garder propre les zones difficiles. Vous pouvez aussi, si besoin, programmer 3 passages si nécessaire, que ce soit pour l'aspirateur comme pour la serpillière. Aussi, on a la possibilité de l'adapter à notre propre utilisation horaire de nettoyage hebdomadaire avec l'heure et les jours de nettoyage souhaités. Donc, on peut dire que vous n'êtes pas limité dans l'utilisation du robot aspirateur Yidi. Avec tous les choix et options proposées, un dernier point est la batterie. Avec une capacité de 2600 mAh, l'aspirateur peut fonctionner presque 2 heures. Mais aussi, tout dépend de la taille de votre espace. Mais pour la plupart des maisons, cela prend une charge complète pour tout nettoyer. Il reste un robot très simple d'utilisation. On peut dire que c'est un bon aspirateur à la fois la qualité des matériaux et la propreté. Personnellement, je suis très satisfait de sa prestation. Et finalement, je pense avoir tout dit pour cet aspirateur. Faites-moi savoir votre avis dans les commentaires. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien. Ciao.